Et salut les gars, comment ça va? C'est Jukai et on se retrouve donc pour l'épisode 6, je crois, du Wonder Trade Challenge en compagnie de Mentalis. Salut Manta. Bouge pas, Manta, il a un bug. On est au sixième épisode déjà? Je crois bien, ouais. Ah ouais, c'est le sixième épisode. Donc bonjour à toi, Jukai. Alors, je t'appellerai Juju. D'accord. Ouais, voilà. Non mais je dis ça comme ça direct. Alors, qui es-tu? Présente-toi un petit peu hein, pendant que je fais des Bien, conneries. je Ah, suis attends, juste un instant. Je vais faire des conneries sur mon profil pendant qu'il se présente, tout simplement parce que bah j'ai envie de faire le con. Voilà, vas-y, à toi. va faire des... Donc, je suis un petit youtubeur qui a commencé donc mercredi. Donc, pour l'instant, j'ai qu'une vidéo et la suite sortira lundi. Et actuellement, je fais un let's play sur Terra, qui est un MMORPG. Voilà, Qui pour la coûte la petite blinde. présentation. C'est il coûte la blinde. Non, c'est gratuit. Il est plus payant parce qu'à un moment. Non, non, il est plus payant depuis quelques temps. C'est pour ça d'ailleurs que je fais de l'esprit dessus, sinon il serait allé se faire foutre. Ouais bah ça c'est sûr. Et il est totalement gratuit maintenant ou faut quand même payer un abonnement? Non, 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 c'est gratuit, complètement gratuit. Ah peut-être que je l'installerai alors. C'est la gratuité. Si tu veux l'installer, passe nous faire un petit coucou pendant le let's play. Oui, peut-être éventuellement, c'est gentil. Dans tous les cas, il y Je aura un petit t'accueillerai. lien vers ta chaîne si tu penses à me le refiler. Et que je pense à le mettre dans la description, mais normalement ça devrait être bon. D'accord. Sérieux, jovial, naïf, modéré, doux, calme, timide, irréfléchi. Irréfléchi, tiens, Il ça me va bien réfléchit. ça. Mini enquête, qu'est-ce que je. Objet, utilisez-vous souvent. Ma main droite, c'est quoi? On va dire que c'est la canne. Voilà. Mais. Ça fait. Bon, bah ouais, la canne, voilà, c'est ça. Que préférez-vous dans les jeux Pokémon? Ah oui, l'histoire, ah ouais, elle est énorme. L'histoire est tellement magnifique dans tous les Les Pokémon. personnages, ils sont pas du tout antipathiques. Je crois que ça reste les combats. Hein. Non, non, mais non, voyons, c'est la poker Ah, écrit. quoique, le jeu en Link. Non, 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 pas le SPV, vous êtes fous. Non, le jeu en Link, j'ai dit, voilà. Ah, mais c'est le dernier, bon, alors qu'est-ce qu'on va mettre? Type de musique, allez. Quel est votre endroit favori? Votre chambre, le bureau, le magasin, les cafés, la campagne. Les centres Pokémon. Voilà, hein, parce que, vu le nombre d'allers-retours que j'y fais, c'est que j'aime vraiment cet endroit. Justement, à mon avis, on a plus tendance à les détester après. Ah non, moi j'adore les centres Pokémon. Moi, je les aime parce que les gens sont méchants. Oh, moi j'adore. Ils sont Par méchants. contre, hésite pas à te rapprocher de ton micro. Je sais pas comment ça se fait. En fait, toi on t'entend par vague. Une fois on t'entend bien, une fois on t'entend moins bien, une fois on t'entend bien. C'est mieux là, peut-être? Ouais, voilà. Hésite Ah, pas à alors. susurrer à ton micro. Tu sais, genre, salut vous, je Oui, vous j'espère aime. à mon micro. Voilà, tu vois, voilà, c'est ça. Allez, go! Bah écoute, on va continuer l'histoire. On va parler à ce monsieur qui est magnifique, le binocle. Petit blondinet. L'entrée, comme ça cache le mec, c'est même pas bonjour, c'est l'entrée vous coûtera 1000 Arnaqueur. Pokédolls quoi. Allez, vas-y, paye. Arnaqueur. C'est Moi, je veux pas payer, hein. Ah. Mais quoi? On me laisse pas le choix! Je peux même pas dire non! Je peux même pas chier à la mec de ce... à la gueule de ce mec quoi. Puis attends, est-ce que t'as bien regardé les barrières sur le côté? Quelqu'un s'est. T'as pas pensé à passer par-dessus? Non mais attends, avec les rollers c'est pas pratique. Ah bah tu les enlèves. Ah ouais mais non, attends, s'il faut enlever... Non mais franchement par contre je trouve que le... Non, Ça autant pour moi, change j'allais la dire que chose. c'était bien foutu mais je suis désolé mais là qu'est-ce qui m'empêche d'aller à droite ou à gauche? Voilà, putain de couloir. On ne Allez, sait pas. je rage, ça y est. Ce château, c'est la parodie duquel déjà? Aucune idée. Fontainebleau, Versailles, je sais plus. Milobelus Shiny! Shiny! Comme Caninos. Avec escale proie slash pion sur les côtés. Ouais, Scalproie, ça, je crois. Escale-proie, oui. Il faut qu'on fasse quelque chose. Ouais, non, mais je veux pas l'aider, c'est à cause de lui que j'ai payé 1000 Pokéballs là. Non, mais je veux pas l'aider. Espèce de voleur. Ouais, exactement. Je vais récupérer la CS Coupe si je rentre pas comme un demeuré dans le château encore. Hein? On peut pas utiliser les rollers, hein, pour info. On peut courir, hein, ce qui est évidemment totalement autorisé dans les lieux. Historique, voilà, hein, qu'on doit visiter comme dans les musées, hein, on a le droit de courir, hein, évidemment, vous le savez, hein, bibliothèque aussi, on a le droit de courir. Par contre, utiliser des rollers, non. C'est illégal. Ouais, totalement. Oh, quel hasard, regardez ce qu'elle a. Je me Oh, demande bien hors ce de que ça pourrait question. être. Qu'est-ce que c'est? Un point jaune, mais dis donc. Oh, la CS coupe, c'est incroyable. Vous ne vous y attendez pas. Ouais, c'est absolument pas prévisible. Oh, regardez, là, il y a un autre item, on va le récupérer. Oh, une autre Pokéball. Sauf que celle-là, elle est rouge.
Ouais, alors les jaunes en fait, je le dis dans l'épisode d'hier, mais forcément t'as pas pu le voir, puisque apparemment vous avez eu des petits problèmes Oui. pour voir la vidéo. Je suis navré, apparemment ça fait ça sur pas mal de youtubeurs. D'ailleurs, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai fait 13 vues sur l'autre vidéo, enfin sur l'épisode précédent, ce qui est très étrange. Oui, vu que t'as quand même plus d'abonnés que moi et que j'en ai fait 29 sur la mienne. Oui, voilà, tu vois, on est d'accord, c'est un peu chelou. Donc voilà, je me doute qu'il y a un léger problème. Donc là, il faut Je rechoper un répète coiffe. cette phrase. Coiffe. Je Ce dis Pokémon. Or, oui. tellement de swag quand il marche. Allez, faut réussir à enfermer là. Oui, allez. C'est vrai que c'est une ridiculité absolue. Allez. Nope. Mais ah, là tu peux pas surveiller plusieurs directions, espèce de fou. Et le pire, c'est que ce coiffarel a un instinct qui dit que même si t'arrives derrière lui, il sait où tu es. Oui, allez, attends ici. Ah. Alors là, on va essayer de le prendre par surprise. Surprise, motherfucker! Oh mon dieu, il s'enfuira. Surprise, motherfucker! Tu sais que ça ne marchera pas du coup. Si tu fais ça. Ouais, bouge! Espèce de grosse! Bon, je crois que Grave. c'est l'énigme la plus compliquée du jeu. Donc je vais essayer de la faire durer un peu. C'est une des seules aussi. Chut. Voilà. Oui, mais j'allais venir te chercher. Oh, je crois que je viens de foutre un vent à quelqu'un. Ah bon? Ouais, je crois qu'il y a eu un message, ça fait pouch. Tu sais, genre échec critique. Non, c'était bien en bas. Ouais, c'était là. Mais je voulais voir si. C'était là. Mais espèce de grosse, bordel! Tu voulais pas la faire durer un petit peu, Emile? Bah attends, avec Sana, Si j'ai pas envie de. En c'est plus, il pour va y avoir ça. un moment va va vaguement lesbien dans pas longtemps, donc je vais montrer ça. Oui. Pas trop tôt, on l'a enfin eu. D'accord. Ça fait 2 minutes que tu cours après quand même. Ouais, bah ouais. C'était trop. Voilà. Ah là là. Oh là là, il va faire des jeux. Ah, j'avais oublié, il fait que des jeux de mots sur les cheveux, lui. Oh là là, il est drôle. Oh là là, ouh là là, c'est trop bien. Ta gueule et casse-toi. Je suis le rire. Ouais, voilà, c'est. Voilà. Ouais, on va voir le feu d'artifice, trop bien. L'humour est décédé 7 minutes. Ouais, voilà, c'est ça. Quoique, il a dû mourir beaucoup de fois quand même. Avec moi, oui. Avec moi, l'humour meurt à peu près une fois par vidéo. L'humour n'a même pas le temps de naître, il est déjà mort avec toi. Y a pas d'autres items à les récupérer? Bon, bah C'est attends. de là. Ah, regarde, là, il y a un gros S'il y a un truc item. dans cette Pokéball géante. Regarde, il y a un gros item, là, pourquoi je peux pas le récupérer? Je suis sûr, c'est un truc genre Draco Météo. Ouais, tu récupères la CT Draco Meteor là-dedans, exactement. Bien sûr, mais tout le monde le sait, sauf que. Regarde, il y en a un autre! C'est un signe. C'est un signe du destin. C'est des vaisseaux extraterrestres en fait. Tu comprends, les Mélofées sont arrivés par ici. Ouais, d'ailleurs, on sait toujours pas comment ils sont arrivés sur Terre, les. Oh my god! C'est bien réussir? Oui, c'est bien réussir. Ah, est-ce que je peux pas faire tourner à. Non, je peux pas tourner à la caméra, hein. Je suis navré là. Ils avaient la flemme de concevoir le devant. Oh, ça doit être ça. Oh, un Tu connais Golem ma Master stock qui sur la tient un gauche? Evoli dans la main! Il tient un Oh! Evoli dans la main. Oh, il tient! Ça y est, c'est ma statue préférée du jeu. On peut s'arrêter là. Le let's play est terminé. Ah oui, il y a un Batraclé aussi, c'est déjà moins classe. Ouais, et qui est tenu en laisse, hein, si t'avais Ouais, remarqué. c'est ça. Sadomaso. Après, je dis ça. Alors, c'est par là. J'essaie de terminer rapidement cette zone, hein, parce qu'elle a rien d'intéressant. Alors, par contre, j'ai une grande question pour toi, hein, question que je pose à quasiment tous les épisodes. Ouais. J'ai lancé le record à quelle heure? Oula, je dirais que tu l'as lancé en Bouge pas. il y a 5 minutes, 6 minutes. 36. Ça fait 10 minutes que j'ai lancé. 10 minutes. Ah merde. C'était pas loin, hein, c'était pas loin. J'étais pas loin, j'étais pas loin. Allez. Ah, par contre, il va y avoir une de mes musiques préférées, hein, même si le. Enfin. Voilà. Même si je ne l'entends pas. Voilà, même si tu l'entends pas, donc. Je Alors, là, il fait jour. Allez, pour le problème, c'est que vu qu'il fait jour, ça casse tout, quoi. Tu pouvais pas attendre la nuit aussi. Tu es dissident. Ah, mais je peux pas modifier les paramètres, en fait, d'ici. J'ai bien peur que non. Et ouais. C'est Bon, dommage. tant pis, on aura un feu d'artifice de jour. Ouais, Qu'est-ce mais c'est que. Ah, pourri, quoi. j'avais jamais fait gaffe, il y a le statut de Zekrom en face de la statue de Reshiram. Ouais, bon, c'est pas.
Allez, music time. Ouais. Le silence. Oui, le silence. Ah oui, voilà. De bonnes amies avec un cœur. Je suis désolé, mais comment tu veux interpréter ça, quoi? Et le pire, c'est quand... De la même manière que je t'ai dit que tu pouvais me prendre pour cette vidéo. Oui, voilà, c'est un peu ça. Mais par contre, faut reconnaître que donc du fait que le jeu soit en 3D, il est quand même beaucoup plus agréable à regarder. Bah surtout que c'est la première fois qu'il y a des cinématiques dans un Pokémon, il faut pas déconner. Pokémon Noir ? Tu parles d'une cinématique. Bah, il y en avait. Le château qui sort de la vie. Il y en avait quelques-unes, hein. Il y avait le château, il y avait les Pokémon légendaires, il y avait quoi d'autre ? C'est tout. C'est tout, bah voilà. Et puis ici, des fois, les. Comment s'appelle ? Les gros zooms sur la gueule de N. Oui, oui, ça, bon, c'est pas franchement une cinématique, ça. Non, mais ça faisait flipper. Ah putain, oh, c'était génial. Oh putain, c'était génial. Wow. C'est magnifique. J'oublierai jamais ce moment qu'on a passé ensemble, oh mon dieu. Vous êtes satisfait, non? Oui, ah bon. T'as pas le choix, t'as vu. La fille te demande quand même ce qu'il lui faut pour aimer elle, en fait. Ouais, non mais... C'est son bloc-notes. Oh. Un pauvre comme son ex-propriétaire et moi. Oh mon dieu, quoi. Le mec qui se la pète à poil. Un poil. Ah non, mais tu vas arrêter avec les jeux de mots sur les cheveux, toi. Hein. Merde, je viens de capter. C'était voulu à moitié. Dresseur, comment on les appelle maintenant, qui brandirait une pierre mystérieuse pour faire évoluer un Pokémon ou je ne sais quelle fadaise. Oh, je me demande de quoi il parle. Alors, vous faudra chercher une bibliothèque parce que jamais. J'avais oublié qu'on me filait abri comme ça en mode random. Bah, surtout que c'est une attaque que j'ai jamais utilisée. Ah, tu as jamais utilisé, espèce de faible. Non, mais c'est vrai. C'est tellement badass qu'il est one shot avant qu'il ait le temps de m'attaquer. Mais c'est vrai que dans cette version, il y a mieux. Il y a mieux que abri. T'as une attaque par exemple, c'est si tu l'utilises, le Pokémon adverse qui t'attaque, bah, il se prend des dégâts. Ok. Une autre, si le Pokémon adverse s'attaque, donc quand tu lances. J'ai oublié comment ça s'appelait. Tu récupères. Lui perd, pardon, deux stats d'attaque. En fait, c'est comme si tu le lançais. Alors qu'est-ce que t'as comme attaque? Enfin, c'est l'inverse de Dance Slam en fait. Sauf qu'en plus tu te protèges de l'attaque, c'est complètement craqué. Ah ouais, je vois. Il y a rien dans ces pièces. Hein. Ouais, mais on sait jamais. Attends, je viens de récupérer les pièces runes quoi. Ouais. Maril, Célestia n'est pas loin. Là, 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 là. Je me demandais que devient N en fait après la fin de Noir et Blanc. Alors à la fin de Noir et Blanc en fait, il va s'exiler un petit peu et il revient dans Noir et Blanc 2. J'ai vu, il s'envole. Et il revient dans Noir et Blanc 2. Hein? Où il se fait tout simplement voler son Pokémon par son père. Oh, c'est con. Et en fait, son père donc contrôle Kyurem en fait grâce à un lien, je sais pas quoi. Et en fait, grâce à ce lien, il arrive aussi à faire fusionner donc Kyurem et Reshiram ou Zekrom. Ce qui fait que c'est Kyurem blanc ou Kyurem noir. Exactement, qui est complètement craqué, hein, faut le dire. Je te crois. Bref, donc j'ai pas réussi à trouver la bibliothèque, c'est pas de bol. Tant pis. Allez, on quitte ce château. Non mais attends, je cherche bien quand même. Attends, je vais me reconnecter parce que ça m'énerve que... Voilà. 49 Pokémon dans le Pokédex, c'est quand même pas mal. Hein. C'est pas mal. Et donc toi, tu fais donc des vidéos sur Terra. Est-ce que t'as prévu un autre let's play? Oui, prévu, sauf que j'attends que le jeu soit en solde parce que je coule pas sur l'or. Ah bon? Espèce de sale pauvre. Ah bah écoute, la YouTube Money ne suffit pas pour le moment. Ah bah écoute, bientôt tu verras. Moi je peux acheter des trucs. Je pourrais payer ma Lambo. Ouais, bientôt quoi. Allez hop. Ah voyons ça. Je te dirai pas quel est ce let's play. Ouais bah t'es pas obligé de me le dire. Je vais pas non plus te supplier. Hein. C'est à toi de convaincre les. Comment s'appelle les gens de s'abonner à ta chaîne aussi. Hein, donc bon. Si après les. Ah oui, je sais. Je sais. Je viens de dormir dans un château. Ça va, tu te sens pas trop comme d'accord, pour une princesse? C'est... La meuf elle trouve un lit, ça fait... Oh un lit, si tu veux aller dormir. Ouais, mais c'est ça quoi. Ah, merci Grégoriax qui utilise son aura récup PV.
Ah, et son aura défense. Eh, mais et laisse tomber, et je vais lancer un combat là, le Pokémon que je vais avoir en face, mais il va se faire poutrer, mais d'une force. Non, pas ça, truc de récup, truc de défense. Lance un truc d'attaque aussi, non? Tu veux pas. Ouais, j'avoue. Attends, hop, je vais filer une aura, attends, tu vas voir moi ce que j'ai. Aura. Putain, tu vas trouver de la merde, toi. Capture, vas-y. Oh. Oui. Allez, il va faire une capture critique sur un Pokémon légendaire. Ouf, déconne pas, tu sais que dans cette... c'est la seule version où tu lances une hyperball dès le début du combat, tu arrives à capturer Veltal. Oula. C'est super triste. J'avoue que quand on compare aux vieilles versions où tu te fais chier à capturer ce putain de Pokémon et tu veux pas utiliser ta Master Ball. Ouais, non, mais depuis Platine, ça commence. Enfin, Diamant, Perle, Platine, ça commence à devenir n'importe quoi. Bah, déjà, Diamant, Perle, Platine, je crois que c'est ma toute première version qu'elle jouait, moi. Ah ouais, toute première, putain. Ah, ouais. T'as raté plein de choses avant. Et forcément, ouais, retourner en arrière, après, c'est super dur parce que les autres jeux, ils sont dégueulasses, quoi, faut le dire. Enfin, si tu compares rouge. Si tu comptes. Oui. On va y arriver. On va y arriver. Honneur aux dames, vas-y. Vas-y. Non, mais vas-y. Honneur aux invités, tu fais chier. Oh, bon, d'accord. Non, moi, en fait, on s'en fout. Et donc, vas-y. Bon, bah attends, tu fais chier, tu y vas. Ok, j'y vais. Je vais où? Dire ta phrase et virer ce ronflex qui fait chier. Attends, bouge pas. Je crois que j'ai acheté des Super Balls. T'es fou. Bah attends, il m'a filé un truc pour que ça coûte moins cher. Je vais pas me faire chier. Non, une seule. As-tu prévu les captures pour cet épisode? Bah, Ronflex. Oui, c'est une bonne idée déjà. Enfin, sachant qu'il doit partir en échange miracle. Oui, mais bon. La grosse blague, c'est que tu te retrouves avec un autre Ronflex. Bah écoute, je le garderai, hein. Ronflex, Pokémon qui m'énerve, que j'ai jamais réussi à choper sur ce putain d'arbre à miel. Arbre à miel? Oh là là, Pokémon noir, quoi. Oh. Non, c'est dans platine. Ouais. Diam perle, moi c'était sur perle. Par contre, tous les jours j'allais chercher sur cet arbre et il n'y a jamais eu un seul ronflex en 6 ans. Ah ouais, d'accord. Tu sais, depuis on a inventé un truc génial qui s'appelle l'action replay. Oui, je sais, sauf que je voulais pas l'action replay. Par contre, là t'es trop proche de ton micro, en fait tu fais des pop-pop en fait, j'ai oublié de te le dire. Oui, c'est assez problématique, j'ai eu ça sur ma vidéo aussi. Ah bah d'un coup on t'entend beaucoup moins bien. Je sais, c'est parce que je dois le remonter pour qu'il marche mieux. Tu dois le monter. Le mettre au-dessus. Avec ta canne? Oui, t'as tout compris. Oh là là, les abonnés ne doivent pas comprendre dès qu'on parle. Le ronflex a ouvert les yeux! Ou plutôt entre-ouvert. Ce qui n'est déjà pas c'est... mal. Attends, c'est même pas. Et il vous attaque, c'est. Genre, il entre-ouvert les yeux et puis direct, il te fout une mandale, quoi, le Pokémon. Non mais. T'as vu la série Pokémon, tu sais très bien qu'il ne faut pas attaquer le ronflex qui dort. Vous a dit bravo. On m'a dit bravo, c'est gentil. Allez, poudre dodo. Alors, je sais qu'il tient une baie marron. Oula. Mais c'est stupide d'utiliser poudre dodo sur un ronflex, je veux dire. Non, mais en fait. Si il dormait pas assez. C'est pour qu'il dorme sans se régénérer, en fait. C'est le principe. Non, mais. C'est comme s'il ne dormait pas assez, le pauvre. Ah, bah, il a pas de baie marron. Bon, bah, tant pis pour lui. Il doit avoir une baie citrus. Une aura attaque niveau 2. Oh d'accord. Oh. Je crois que tu vas l'OOS, ouais, le pauvre. Si c'est le cas. Ah non, ça va, il a encore pas mal de vie. Une aura précision niveau 1. Ah, c'est cool ça. Mais t'es plein d'aura, toi. Non mais attends, mais c'est pas de ma faute. Lucas, tu le spam, arrête ça, il devient trop mec. Non mais moi je suis d'accord, hein. Oh, mais Citrus, je le savais, je le savais. Il a bouffé sa noix, là. Et puis là, tu vois, je vais lui foutre une patate, il va se réveiller, il va faire repos. Parce que c'est un enculé. Aura précision, ah ben voilà, c'est nickel. Maintenant je peux balancer poudre d'eau à 100% de précision. Oh là là, ton amnésie. Petit air bizarre. Mais non. Ça va, c'est qu'amnésie. Ouais, mais il a tout oublié, il a oublié que je vais foutre des mandales. Bah tant mieux, ça veut dire que peut-être qu'il t'en voudra moins. Ce qui serait énorme, c'est que amnésie, quand tu le lances, ça cache aussi tes stats. Genre, t'oublies tout. Oh. Ce serait logique. Ouais, mais ça serait un peu dégueulasse, t'imagines, t'as plus d'attaque. Bah oui, justement, c'est le principe. Tu te retrouves à devoir faire l'attaque que tu dois utiliser quand tu n'as absolument plus de PP. Lutte. Est-ce que t'as déjà subi ça? Oui, avec j'avais un Dracaufeu niveau 50. Et c'est j'étais à la cible sarle de Pokémon Rouge. Je ne connaissais même pas son existence avant de l'avoir utilisé. Bah évidemment, t'en sais rien qu'elle existe avant de... Non mais c'est ça. C'était avec mon Palkia, je me souviens, j'avais utilisé toutes mes techniques. Ouais, avec Palkia, bon ça va, c'est quand même quelques dégâts avec Palkia. Hein. Oui, c'est Palkia, surtout que depuis j'ai monté au niveau 100.
Je suis pas fan des Pokémon légendaires niveau 100. Bah, disons que j'ai commencé le jeu, j'avais 8 ans, donc forcément j'allais pas me dire « Oh, hein, le Pokémon légendaire, il sera cheaté, si je le laissais dans ma boîte !» Bah, c'est ce que j'ai toujours fait. Mais vraiment toujours. Si, sauf quand j'ai réussi à capturer dans Rouge, quand j'ai réussi à avoir Mewtwo. Mais sinon, tous mes autres Pokémon légendaires ont toujours été dans mes boîtes. Je me souviens qu'au tout début, je les ai utilisés pour faire la ligue, parce que je galérais, j'avais pas les Pokémon qu'il fallait. Ah si, et Lugia, t'as raison, et Lugia. Ah, Lugia. Non, il est toujours dans ma boîte. Disons que j'ai un petit peu arnaqué certaines personnes pour avoir quelques Pokémon légendaires. Ouais, bah ça, c'est ce qu'on a tous fait. Hein. Voilà quoi. Genre, j'ai eu un Kyogre contre un Chenipan, pour te dire. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu as filé à côté? Tu as fait une petite... Non, je ne veux pas savoir. Un Chenipan. Disons que c'était le fils de ma belle-mère, et que je le fais chier pour qu'il me capture Kyogre dans la nuit, et le matin, je lui ai pris échangé contre un Aspico, un truc dans le genre. Après, ouais. Je lui ai volé quasiment tous ses Pokémon légendaires. Hein. Oh, bah, j'espère bien. Je me suis pas arrêté là quand même. J'ai pris le Lugia, j'ai pris plein de trucs. T'as un véritable talent pour le pipeau. Mais comment ce mec est un gros connard? C'est surtout que c'est super tendancieux. Oh putain. Ça aurait été ah, ça c'est tellement dégueulasse. Surtout pour manier le pipeau, là ça aurait été pire. Attends, mais reprends ton instrument et pratique tous les jours. Oh mon dieu! Comment on appelle un mec qui fait du pipeau? Un pipis? Non, sérieusement. C'était la tentative de réconciliation la plus minable que j'ai jamais vue. Mais non, mais foutez juste de sa gueule! Elle comprend tout à l'envers. Oh, j'ai plus d'aura sol. Une aura amitié, c'est cool. Maintenant, je vais avoir des Pokémon amicaux. Mais bon, là, en l'occurrence, je peux surtout utiliser. Il te spam d'aura, c'est pas possible. Allez, échange miracle. Qu'est-ce qu'on va avoir? Je sens bien l'insolourde troll. Ah oui, c'est il faut au moins un troll, quand même. Et ce Pokémon a quand même Mimikeu, hein. Et non, attends. Ce Pokémon est stylé quand il évolue. Ouais, mais il évolue quand pas. Il évolue 42, non? Il évolue tard, ouais. Ouais, il est super tard. Il est classe quand il a évolué. Avec Silus, il est cool. Ouais, bof. Allez, dégage, ronflex de merde. Je sais que dans tes vidéos, en général, je passe le moment où tu cherches pour arriver au moment où tu trouves le Pokémon. Parce que c'est long. Oh, une Française, elle s'appelle Léa, elle vient d'Île-de-France. Ouais, ouais, c'est une Française. Genre un Pokémon français et de ouf, surtout. Là, vous avez pas idée. C'est toi qui le dis. Hein. C'est une Française. Vous allez voir. Alors, sauf que si tu te retrouves avec un autre... Mais oui, Pika merde. Putain de merde. Pourquoi? Non, mais là, c'est le troll ultime. Il arrive pile au bon moment, ce Pikachu. Non. Quelle horreur! Pour les abonnés qui se demandent pourquoi ils sont en train de râler en fait. Ah, sur Twitter aussi. Une heure et demie, il se fait spammer par des bots Pikachu sur Twitter. Ah ouais, non, mais c'est drôle. Drôle! Tu plaisantes, ma tweetline est pourrie! Complètement pourrie! J'ai rigolé comme un porc, par contre lui, mais il était énervé. Hein. Ah non, pas du tout énervé. Comment t'as été énervé? Il a fait appel à des antibots et tout. Hein. Non, j'ai pas fait appel à des antibots, y'a des antibots qui s'invitent, nuance. Oh putain. Okay. Mais il est niveau 4, il a Mimikeu et éclair. Je suis censé en faire quoi? En plus, sa nature, il est mauvais quoi. Il est mauvais de nature, c'est normal, c'est un Pikachu, il ne peut être que mauvais. Là, franchement, je m'attendais pas à ce que t'aies un Pikachu ici, mais ça tombe quand même vachement bien. Oh mon dieu, quelle horreur. C'est un signe du destin. Oh, attendez, mais il y a quelqu'un dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Attendez, je vais être sympa. Ah oui. Bon anniv. Voilà, je ne te connais pas, mais quand il y a un bon anniversaire. Voilà, quand ça se... La chatte, tu descends, vilaine, dissidente, tu déranges pas pendant... Celle-là, c'est Plume. Hein? C'est Plume. Ah, Plume. La chatte, oui. Et là, je peux pas capturer, puisque c'est pas une nouvelle zone. Bientôt. Ouais. Oui, on saute. Voilà, de toute façon, je pense qu'on va s'arrêter là. Shiny, please. Ah, mais attends, y'a un autre mec dont c'est l'anniversaire. Ta gueule. Ah, mais y'a trop d'anniversaires. Non, cassez-vous, une prochaine fois, y'a un mec dont c'est l'anniversaire. Faut lui fêter. Vite. Casse-toi, espèce de gros. Je m'en fous. Vite, putain. Espèce de musicien accompagné d'un intello coincé. Allez. Oh, putain, cette vitesse.
Non, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est toi. Oui. Non, c'est pas toi, t'es pas français. C'est même pas toi, c'était un autre. C'était un français, je l'ai vu, c'était un français dont c'était anniversaire. On va le trouver. Arthur, c'était lui. Mais non. Lucas. C'est bon, Arthur, ce bon anniv. Wouhou, on a réussi. Oh, tu as réussi. Voilà, non mais attends, des français, faut... Faut se soutenir entre français. Ouais, voilà, faut se soutenir, exactement, attends. On devient rare, hein, maintenant. Poké Stefano, voilà, toi t'as un pseudo de winner, donc je dis bravo, voilà, c'est tout. Dorian, voilà. Prêt, fort combat. Wow. Ok, si tu veux, au revoir, je me casse, vous me faites flipper les mecs. Voilà. Voilà. Bon bah écoute, je pense que on va arrêter l'épisode là, hein, pour aujourd'hui, on aura eu un magnifique Pikachu. Oui. Oh bah attends, on a été agressé par un Pokémon. Bien. Qu'est-ce que c'est? Oh mon dieu, un Lumivol. Waouh, les Pokémon pas du tout puissants. Oh mais si, c'est surpuissant, attends, c'est qui? C'était TGF qui nous avait fait un let's play, il a réussi à aller jusqu'à la ligue avec son putain de Lumivol, ou je sais plus, ça devait être peut-être un Luciole, mais... Et le pire c'est qu'il m'a demandé de l'aide quoi, pour l'épisode final, il m'a demandé de l'aide parce qu'il y arrivait pas, hein. Léger saucé le micro, je dois couper mon micro, 2 minutes. Oh bah de toute façon voilà, bah, on va arrêter l'épisode donc Ah bah d'accord. Voilà. Donc bah voilà, donc écoutez, bah merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Oui, n'hésitez pas à regarder la chaîne de Juju, hein, le lien est dans la description. Venez, venez. Voilà, allez vous abonner puis qu'il puisse gagner beaucoup de YouTube monnaie. Que je puisse m'acheter, je sais plus ce que je devais m'acheter. Une carte graphique je crois. Ah oui, ça y est, ma Lamborghini, je me souviens. Oh, non, et la carte graphique surtout. Mais ça vous le savez pas, mais j'ai un PC qui n'a pas de carte graphique, c'est légèrement problématique. Ouais, en fait, ce que vous voyez, c'est l'imaginaire de Juju. Hein. il n'y a pas de carte graphique, donc faut... Ah, attends, je vais peut-être aller vous faire un truc intelligent avant. Regardez mes baies. Oh, oh oui. Oh mon dieu, ça a poussé. Oui, 5 baies au rang, mais c'est complètement cheaté. Et je me souviens à l'époque où tu prenais les baies une par une et tu te faisais chier à les faire repousser. Ouais, c'était ça. Enfin, hein. Je les faisais jamais repousser parce que ça me saoulait, mais je faisais des peaux fines. Ah, les peaux fines. Moi, ce que je faisais, c'était les Pokéblocks, je crois que ça s'appelait dans Pokémon Ruby. Un truc comme ça, ouais. Oh, d'ailleurs, Rosa qui va bientôt sortir, j'ai hâte. Oui. Allez. Bref. Bref, bref. Oh, un objet, voilà. Attends. Oh, un grand miracle. Ça, c'est un bon objet. Oui. Oh, mais j'avais même pas capté, mais il y avait mon chat dans ma chambre depuis tout à l'heure. Ah tiens, tu vois, ils sont fourbes, ils essaient de s'installer partout. Oui, non mais ils devaient essayer de cacher sous mes bureaux, un truc comme ça. Ouais, mais tu vois, ils sont tous fourbes. Bah écoute, je pense qu'on va s'arrêter là, hein. Enfin, sauf si tu veux continuer, évidemment. Bon, moi, voilà, je commence à fatiguer. Bon, puis bon, faut pas que l'épisode soit trop long pour demain. Bah voilà, donc à la prochaine tout le monde. Eh bien, au revoir. Salut. Ciao.